Pour l'exercice de lecture, la corde mi seulement. La corde mi, c'est la petite corde. C'est cette petite-là. OK. La corde la, c'est la deuxième. La corde ré, c'est la troisième. Et corde sol. Les élèves doivent faire une corde à la fois. Dans le fond, l'exercice de la corde mi, il porte juste sur la corde mi. Donc, toutes les notes qu'il y a à lire, c'est sur cette corde-là, la petite-là. OK. Donc, la première note, il vérifie, c'est un quad. Dans le fond, ici, là, il regarde puis il associe avec la note d'en haut. Elle est exactement à la même place. Donc, c'est un sol. Là, je m'en vais dans la page avec le violon dessiné dessus. Je regarde où ce qui se trouve le sol. Là, je vois que c'est le deuxième doigt. Donc, le deuxième doigt, c'est les ronds rouges, là, c'est les doigts, le deuxième collant. Donc, l'élève doit placer son sol, deuxième doigt. Là, ici, j'ai pas de collant, là. Et sol, deuxième doigt, corde mi. Comme ça. Et le jouer. Là, l'élève dit sol, puis il joue. Toujours dire le nom des notes avant de les jouer, pour que ça rentre dans sa tête, puis qu'il s'en rappelle après. Qu'il associe toujours le son avec la note. Fait que sol. L'élève dit sol, puis il joue.